c'est Myriam Bussière, je suis artiste multidisciplinaire et je suis présentement à la galerie MP Trésor pour réaliser un atelier avec vous. Cet atelier consiste à réaliser un beau chandail artistique. On va réaliser ça avec de la peinture, mais pas n'importe laquelle, de la peinture à tissu. Alors, je vais vous montrer mon modèle. Et voilà. Moi, j'ai fait l'endo, comme ça. Et vous pouvez remarquer que celui que j'ai, c'est mon chandail récent que j'ai fait avant hier. Je l'ai fait juste pour vous, là. J'ai fait l'endo aussi. Alors, est-ce que vous aimez ça? C'est beau, hein? Bon, fait que, premièrement, avant de commencer, je vais vous mentionner les produits, le matériel qu'on a besoin. Premièrement, on a besoin, bien sûr, d'un chandail. Blanc de préférence, parce que noir, comme vous voyez, la couleur elle sort moins. Mais il y a possibilité de le faire quand même, mais je vais vous le montrer tantôt. J'ai quand même un chandail noir ici que j'ai emmené juste pour vous montrer comment. Je vais le mettre de côté. Alors, il faut un chandail blanc. Et je précise que le chandail, ça peut être un chandail que vous avez déjà à la maison. Ou sinon, ça peut être un chandail que vous avez acheté dans un magasin de vêtements. Et c'est très important que le chandail, il faut qu'il soit propre, qu'il a déjà été lavé, le moins possible fripé. Il faut pas qu'il soit trop fripé. Et s'il n'a pas été lavé, ben on le met au lavage. À ne pas faire à la maison, là, que j'ai envie de faire. OK, bon. La peinture, c'est de la peinture à tissu qui est faite spécialement justement pour faire des chandails ou autre chose. Alors, moi j'ai différentes couleurs, il y a différents formats aussi. Moi j'aime bien celui-là parce que c'est comme si c'était un crayon. Parce qu'on peut faire les formes qu'on veut dessiner. Tu sais là, admettons on voudrait faire un cœur, ça va mieux avec le petit embout comme ça qu'au pinceau, bien sûr. Mais si vous voulez vraiment là, au pinceau, on peut le faire aussi avec ça. Et il y a d'autres sortes aussi, des plus gros formats. D'autres sortes de couleurs aussi, plus fluorescents. On a besoin aussi de pinceaux. Différents formats. C'est à votre goût, hein, ça dépend du projet que vous avez décidé de faire. On a besoin stylo, ciseaux. On a besoin d'un pot avec de l'eau dedans. Ça, c'est pour mettre nos pinceaux pour les nettoyer ensuite. On a besoin de guenilles secs ou humides. Humide, c'est pour se nettoyer les mains, si jamais on a de la peinture sur nos doigts. Feuilles blanches ou lignées, c'est pas grave, là, il n'y a pas d'importance. On a besoin, dans le fond, une boîte de carton qu'on va avoir découpée. Dans le fond, c'est pour mettre dans le t-shirt, dans le chandail, parce que la peinture, elle pourrait traverser, elle pourrait passer au travers puis se ramasser de l'autre côté. Je vais vous montrer comment faire tantôt, vous allez voir, c'est très facile. On a besoin aussi de stencils, des pochoirs. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, là, on peut faire ça à la main levée aussi, là, il n'y a pas de problème. Mais je vais quand même vous montrer comment que ça fonctionne, advenant que vous n'avez. Alors, on va commencer par la fameuse boîte de carton qu'on peut avoir trouvé soit à l'épicerie ou au dépanneur. Fait que moi, je l'ai défait, je l'ai coupé parce que ça ne donne rien qu'elle soit trop longue non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans le fond, on va se mettre comme ça vis-à-vis de notre chandail. On va y aller avec la longueur. La largeur, pour moi, est parfaite. Advenant, ça serait trop long ou trop large, ça se découpe là, facilement avec des ciseaux. Je vais vous le montrer. Moi, la largeur est parfaite. Si je regarde la longueur, il faudrait que je coupe justement direct dans mon pli, ici. Fait que ça tombe bien, j'ai pas besoin de me faire de marque au crayon. Mais mettons, besoin de faire une petite marque au crayon ou couper. On se fait une petite marque comme ça. Puis le stylo, il paraît sur la boîte de carton. Sur le carton, désolé. Alors, je coupe. Il faut avoir des bons ciseaux aussi, là, parce que c'est quand même,
c'est du carton, là. C'est pas une feuille de papier, c'est pas du verre coupé. Alors, comme ça, ce qu'on fait, on va le rentrer à l'intérieur. Comme ça. Là, il faut avoir un petit peu de patience parce que faut rentrer ça à la perfection. Ça, on a de la misère, on peut demander à l'atelier aussi. Là. Travail d'équipe, c'est toujours mieux. Comme ça. On peut faire ça comme ça aussi. On place. Et voilà. Ça donne à rien de le monter trop haut. On peut le travailler aussi comme ça. Je vais le descendre un petit peu plus. Parce que où est-ce que je vais travailler? Ça va être vraiment ici, dans le centre. Fait que, qu'est-ce que j'aime aussi à cause du carton? C'est que c'est plus dur, ça va bien pour travailler, puis le chandail, il bouge pas aussi. Là. Fait qu'advenant que votre chandail sera un petit peu fripé comme le mien aujourd'hui, on peut faire ça comme ça, avec nos mains, et d'enlever un petit peu les plis, mais c'est pas grave. Comme ça. Et voilà. Qu'est-ce qui peut être bon aussi, c'est qu'on peut penser à qu'est-ce qu'on aimerait faire pour notre projet. On peut y penser la veille, on peut y penser une semaine avant, ou on peut être aussi créatif sur l'instant présent. Alors moi, je vous réserve une belle surprise, je vous dis pas qu'est-ce que je vais faire, vous allez le voir sur l'action. Alors, je commence avec le jaune. Bien important de brasser, surtout si ça fait un petit bout que ça n'a pas servi, c'est encore plus important de le brasser. Bon. OK. Fait que moi, je vais travailler dans mon centre ici. Je vais faire un petit dessin. Vous allez voir. Admettons que vous ne voulez pas trop dépasser, t'sais, vous savez un petit peu qu'est-ce que vous allez faire. On peut se servir d'une feuille au peu, puis ça fait comme une limite en même temps, mais moi, j'aurais pas besoin de tout. Fait que, on laisse ça de côté. Et voilà. Alors, vous êtes prêts? On y va. À la main levée, là. On prend notre temps. Hey, le jaune, il est beau en plus, là. Il flash, il flash. Wow! Qu'est-ce qui est le fun aussi de ce type de peinture-là, dans la bouteille qu'elle est, c'est qu'elle crée une dimension aussi, là. Un effet 3D qu'on pourrait dire. Alors je repars de l'autre bord. Comme ça. Alors tantôt je disais qu'on pouvait se servir de pinceau, justement. Je vais vous faire la démonstration. Moi je vais me servir du jaune, alors je ne remettrai pas tout de suite mon petit capuchon. Mais admettons que vous avez terminé, toujours important. On nettoie le petit bec ici. Puis après ça, on met le capuchon. Pour pas que ça sèche. Puis le fait de le nettoyer, ben ça crée pas comme des petits motons là, de peinture. Alors, comme ça, je vais vous montrer avec le pinceau. Moi, je vais prendre un petit pinceau. Et je vais étendre ma peinture. Fait que ça va créer deux sortes d'effets. Bon, comme ça. On se laisse aller, là. Tu sais, là, je veux dire, il n'y a pas de règle, là. Même si, tu sais, mettons, on dépasse, c'est pas droit. Moi, comme vous voyez, c'est un rond que j'ai fait. C'est pas un rond parfait, mais c'est pas grave. C'est ça, la beauté de l'or. Alors, comme ça. Puis, en même temps, ce que je suis en train de faire, c'est que ça crée du mouvement. Et voilà. Comme ça. Je vais essayer de vous le montrer sans trop faire de dégâts. Vous voyez, ça fait ça comme ça. Il n'est pas si pire, mon cercle, hein, quand même. Quand même pas si pire. OK? Alors, là, le défi, c'est de repasser, mais sans se salir, parce que on pourrait s'accoter la main, puis on pourrait se salir, puis tout gâcher notre chef-d'œuvre.
Alors, je repasse par-dessus. Ça va créer un effet dimension. Un effet 3D. Et voilà. Souvent, ça peut faire un petit bulle d'air dedans. C'est pas grave, on se reprend. Et voilà. Mais on pèse pas trop fort, là. Ça sort quand même assez bien. Et voilà. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, j'ai terminé pour l'instant avec le jaune. Je vais essuyer le petit bec et je remets le petit capuchon. Je vais le laisser de côté parce que tantôt, je vais le réutiliser. Mais pas tout de suite, plus tard. Alors, je vous montre. Regardez l'effet que ça fait. En dessous, première couche, j'ai pris mon pinceau, j'ai étendu la couleur qui est jaune. Ensuite, j'ai repassé et ça crée un effet dimension. Un effet 3D. Et voilà. Alors, là, je vais y aller avec le bleu. Je suis pas mal certaine que vous me demandez qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais je mentionne que vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, là. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Là. Moi, je vais juste vous montrer la technique, la bonne technique à faire pour pouvoir faire des merveilles. Et voilà. Et je vais comme ça. On pèse pas trop fort parce que ça peut sortir assez rapidement. Donc, on peut être assez surpris. Et voilà. Là, je vais prendre un autre sorte de pinceau, un petit peu plus large que mon autre. Celui-ci. Je vais refaire la même chose. Je vais étendre ma peinture. Comme ça. Et voilà. Comme ça. C'est bon. Je vais vous le montrer, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Je suis quand même contente d'être capable de vous le montrer. Sans que ça fasse de dégâts. Regardez. Je suis pas mal certaine que vous commencez à deviner qu'est-ce que c'est, hein? Bon, moi je veux créer vraiment un effet dimension, alors je vais repasser avec mon bleu dans ce que je viens de faire. Et voilà. Comme ça. Puis moi j'adore faire ça, ce projet-là, là. J'adore, là. Quand j'ai la chance de me faire un beau chandail là, artistique, là, j'en profite, j'en fais un. Bon, alors, là j'ai terminé pour l'instant avec le bleu. Je vais essuyer le petit bec, on remet le petit capuchon. Mais je le garde de côté des fois que je n'ai pas besoin. Alors, je vais y aller avec le rose. On va faire changement, il est fluorescent. Ok. Ça. Il est beau, ce rose-là. Il est dans ma tête qui est beau. Ouais, 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 il est pas mal beau. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, regardez. De fond, je pense que là, vous savez c'est quoi, hein? Ça ressemble à un bonhomme souris qui est assez heureux. Comme moi, aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'être avec vous pour vous montrer vraiment faire un beau projet ensemble. C'est vraiment le fun. Alors, là, je me réserve le moment de gloire. Vous allez voir ce que c'est. Ça va vous faire sourire. Pas mal certain. Comme ça. Et oui, c'est une grimace. Il fait une grimace. Et voilà. Moi, je vais le laisser comme ça. Je ne passerai pas avec le pinceau. J'aime l'effet qu'il y a dimension. Alors, je vais le laisser comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Moi, je pense que on pourrait rajouter un mot ici, dans le bas. Qu'est-ce qui est bon, c'est qu'on peut le faire soit à main levée, il n'y a pas de problème, ou on peut le faire aussi à l'aide de pochoirs. Comme ici, j'ai des lettres. Alors, on peut créer le mot qu'on veut. C'est vraiment le fun avec ça. J'ai aussi des motifs. Un beau petit cœur, une belle petite étoile.
Mais c'est à votre goût, là. Si vous voulez, vous pouvez le faire aussi à main levée. Alors, c'est la première étape, qui est avec la peinture. On n'oublie pas, on en essuie le petit bec. On remet le petit capuchon. Alors, ceci conclut la première étape. Bon, alors, on est rendu à l'étape 2. L'étape 2, c'est les pochoirs. Comment on va s'en servir? Je vais vous montrer ça. Une petite parenthèse. Là, vous avez pensé à votre mot ou les mots que vous voulez mettre. Si vous n'avez pas de pochoir, comme j'ai dit tantôt, c'est pas grave. On peut le faire à main levée aussi, là, je veux dire. Faut pas s'en faire avec ça. C'est pas grave. Mais là, on a des pochoirs. Je vais vous montrer comment. Qu'est-ce qui est bon? C'est de... Dans le fond, moi je l'ai marqué « heureux ». Mais là, mon chandail, il est pas vraiment grand. Alors, je vais manquer d'espace. L'option 2, je l'ai mis en anglais. « Heureux » en anglais, c'est « happy ». Alors, moi, je l'ai déjà tracé sur une feuille. C'est à ça qu'elle va servir la feuille, justement. On le trace déjà d'avance. Pourquoi on le trace d'avance? Parce qu'après, on peut savoir à quel endroit qu'on veut le mettre sur notre chandail. Là, je vais essayer de vous le montrer un petit peu, vous soyez capable de le voir. Bon. Fait que là, on a mon beau petit bonhomme qui est heureux ou qui est happy. Alors, j'ai happy. Moi, je pense que je vais le mettre ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que si je le mets là, moi, je sais pas. Hein, tu sais, ça fait un petit peu pogné. Fait que je vais le mettre ici, centré. Fait que vous voyez l'importance de le tracer avant, ça permet on peut se promener avec, savoir où est-ce qu'on le met. Bon. Fait qu'on va mettre Monsieur Heureux de côté. Je vais vous montrer comment faire. Alors, j'ai bien dit heureux, c'est en français. Happy, c'est en anglais. Alors, on prend un stylo. Mais moi, je vais prendre un marqueur parce que je vais être sûre que vous voyez vraiment. Mais vous, vous utilisez un stylo. Alors, on commence avec la lettre H. Ça. Je vais mettre ici. La grosseur aussi, là, c'est à votre guise, hein, je dirais. Moi, c'est quand même assez gros. Si vous voulez plus petit, là, il n'y a pas de problème. Là, vous y allez avec ce que vous avez aussi. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Dans le fond, c'est un trou comme ça. Puis on trace tout le contour. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce résultat-là. Comme ça. Alors, je continue. Alors, j'ai le H. Alors, je m'enligne mon A qui va droit à côté. Le même principe. On trace tout le contour. Moi, c'est un petit peu plus dur parce que mon crayon, c'est un crayon permanent. La pointe est assez grosse. Au stylo, ça va être plus... la pointe est plus fine. Fait que ça va être mieux. Ça va être moins difficile. Alors, ça donne le H et le A. Comme ça. On met ça de côté. On fait le même principe. Ça aussi, on peut mettre les lettres, tu sais, croche un peu. Ça peut faire du mouvement aussi. Mais moi, pour aujourd'hui, là, ça va être droit. Comme ça. Trace tout le contour. Aussi simple que ça. On fait la même chose. En fait, on s'enligne égal à l'autre. On met une main sur le petit carton. Et ensuite, on trace notre lettre. C'est pas obligé que ce soit des mots, hein. Ça peut être juste des formes, ça peut être un cœur, ça peut être un soleil, une fleur. C'est comme vous voulez, là. Vous n'êtes pas obligé de me copier, là, comme j'ai dit tantôt. Là. Fait que là, on a presque terminé. Ça fait H, A, P, P. Il manque le Y. Et voilà. Ça. OK. Fait happy. OK. Alors, je
remets le petit capuchon. C'est ça ici. Alors, je vais vous montrer. On prend les ciseaux. On va découper le contour de notre mot ou de notre forme, ou peu importe qu'est-ce qu'on a fait. Le contour. Ça. Vous voyez comment c'était facile? Ça ressemble à pas mal à ce que j'avais déjà préparé. Et voilà. On reprend notre monsieur qui est heureux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, lui, je n'en ai pas besoin. Mettons, moi, je le veux pas mal assez centré avec mon petit bonhomme. On va y aller comme ça. Alors, on reprend le pochoir, vu que c'est un mot. Alors, mon H, il est ici. J'ai la lettre H avec mon pochoir. Je me mets vis-à-vis, comme ça. Et j'enlève mon mot qui est sur la feuille. Et je commence ici. Fait, vous voyez, dans le fond, c'est pour savoir où est-ce qu'on débute notre mot pour être sûr que ça, on reste en lien avec ce qu'on voulait. Alors, moi, je vais prendre le mot pour tracer mon mot happy. Alors, je commence avec la lettre H. Bien important. Il faut brasser. Ouais, même à mon âge, j'en fais des erreurs. Et voilà. C'est bien brassé. Et le même principe qu'avec votre stylo, on trace le contour. On peut y aller aussi au pinceau. Ça donne deux sortes d'effets. Moi, je vais commencer comme ça, puis je vais voir après qu'est-ce que je vais faire. Ça. Et voilà. On fait bien attention quand on enlève le pochoir. Et voilà. Moi, finalement, je vais prendre mon pinceau pour vraiment tracer tout le contour de ma lettre. Si je veux, je peux repasser aussi après pour recréer une autre dimension. Mais là, je passe avec mon pinceau, mais j'écrase pas trop la peinture que j'ai mis, fait que ça va rester quand même la dimension que j'ai déjà. Là. Bon, comme ça, j'ai pris un pinceau vraiment à la pointe assez fine. Ok, je vais essayer de vous montrer ça. Regardez, vous voyez? Ça crée une belle dimension aussi, là. Il y a les deux. L'effet avec le pinceau et sans le pinceau. Bon, on continue. Le défi, c'est d'essayer de ne pas trop s'en mettre sur les doigts. Et aussi de faire attention à notre travail qu'on vient de faire à côté. Et voilà. On refait la même chose. On trace tout le contour. Comme j'ai dit tantôt, on peut faire aussi à la main levée. Là. Je pense que j'ai quasiment le goût là, d'essayer juste pour vous le montrer. Je vais garder la lettre de la fin exprès pour ça. Bon, s'il reste un petit peu de peinture aussi sur notre pochoir, on peut le récupérer avec notre pinceau. Comme ça. Ça, c'est ce côté. Et moi, je vais retracer avec mon pinceau. Comme ça. Tantôt, je disais que c'est mieux sur un chandail blanc parce que la couleur, on la voit plus. Hein? C'est comme vous pouvez voir, là, c'est plus éclatant aussi. Là. Mais c'est à votre goût. Vous pouvez prendre la couleur du chandail que vous voulez. Mais je vais vous montrer tantôt là, par rapport au chandail noir. Bon, OK, on est rendu à la lettre P. À date, ça va quand même assez bien. Je peux quand même vous le remontrer. Hein? Il commence à être de plus en plus heureux, là. Hein? Bon. On y va avec le P. On va placer le chandail. Et voilà. Hein? On s'enligne à côté. Voilà.
On prend notre temps. Moi, je suis assez rapide. Vous allez voir, là, à force d'en faire, là, c'est facile. C'est comme les mathématiques, hein? À force d'en faire, là, c'est facile. Bon, même principe. S'il y en a sur le pochoir, on récupère la peinture. Puis on peut le mettre sur notre chandail. Je vais tracer un petit peu. Comme j'ai dit, mon pinceau, la pointe est fine. Comme ça, mon happy, les lettres sont pas trop larges. Ça reste que c'est discret. Parce que la vedette de mon chandail, c'est le beau petit bonhomme qui est heureux. OK? Alors, dans happy, il y a deux P. On va refaire le P. Je vais aligner à côté. Et voilà. Ça. Et voilà. OK. Bon. Il y a un petit peu de peinture. Et voilà. On récupère. On prend notre temps. Si on dépasse, c'est pas grave. C'est la beauté de la chose. Et voilà. Bon, comme j'ai dit tantôt, je vais l'essayer à main levée. Là, c'est un gros défi, là. OK. Sinon, mon stencil, mon pochoir, il ressemble à ça. Le Y, il ressemble à ça. Même moi, je ne vais pas essayer de refaire pareil. Là. Mais je vais faire un Y. À main levée, là. On y va avec la peinture dessus. Comme ça. Comme ça. C'est moins facile, mais c'est beau quand même. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Ah! Ouais, j'aime bien ça. Alors, à main levée, ça fait des merveilles aussi. Je repasse avec mon pinceau. Voilà. Et j'ai réussi à m'en mettre sur les doigts l'importance de la guenille humide. Humide, ça veut dire on l'a mouillé, on l'a essoré, alors elle est humide. Et voilà. Ça fait du travail propre. Bon, je vous montre ça. Bon, est-ce que vous voyez? Happy! Ouais, je pense qu'il est heureux, là. Mais il manque d'autres choses pour être heureux. Qu'est-ce qu'on pourrait bien ajouter d'autre? Moi, j'irais avec deux étoiles. Qu'est-ce que vous en pensez? Une étoile à la fin du mot, puis une étoile au début. Moi, je trouve que ça aurait bien du sens. Alors, on a terminé avec le mauve. On n'oublie pas, on essuie le petit bec, le petit capuchon par-dessus. On met de côté, juste au cas qu'on voudrait l'utiliser. Alors, avec le stencil, le pochoir, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on peut se promener. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, on peut regarder où est-ce qu'on voudrait mettre ça. Mais moi, j'ai vraiment décidé que c'était au début et à la fin du mot. Alors, j'ai décidé... Et on va mettre ça couleur silver. Puis l'autre, ça va être couleur dorée. En plus, ma couleur dorée, il y a du brillant dedans. Fait qu'il va être encore plus heureux. Il va briller de bonheur. Alors, on commence. On la place comme qu'on veut. Hein. Tu sais, je veux dire, c'est pas obligé d'être égal. Là. Comme ça. On brasse. Cette fois-ci, j'ai pas oublié. Bon. On fait la même chose. On trace le contour. Et voilà. Oh, il y a une petite bulle d'air, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit tantôt, il ne faut pas peser trop fort. Et voilà. Et c'est certain que moi, je vais repasser avec mon pinceau. OK, je vais la mettre de côté. On va prendre un autre petit pinceau. Voilà. Ouais. Ça fait joli, joli, joli. C'est brillant.
pas égal, égal. C'était pas non plus mon but de faire ça. Ouais, ça fait très très beau. Alors, je mets mon pinceau de côté. Et je vais essayer avec le silver. Ensuite, je vais vous le montrer. Mais là, faites pas comme moi, là, tout le temps montrer ça à votre ami, déplacer le t-shirt, parce que je vous le dis, là, ça marche pas, là. Moi, c'est parce que je suis habituée, là. Prenez pas trop de risques. Attendez d'avoir fini, là, avant. Et, comme ça. Là. Attention quand on enlève le pochoir. Je vais prendre un autre pinceau. Pour ça, c'est important d'avoir plusieurs pinceaux. Parce qu'on ne peut pas réutiliser le même. Et voilà. Je mets ça de côté. Moi, je vais repasser un petit peu. Ça va créer un autre effet. Comme ça. Et voilà. Comme ça. Je vais vous montrer ça. Regardez ça. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Mais ici, j'ai mon mot happy. J'ai mon étoile qui est dorée avec des brillants dedans. Puis ici, j'ai mon étoile qui est silver. Silver, ça veut dire gris, là. Métallique. Là, elle, je ne l'ai pas remplie. J'ai juste laissé le contour. Alors, on continue. Bon, fait que je vais essuyer les petits becs, bien important. Parce que j'ai terminé avec ça. Alors, on remet les petits capuchons. Et voilà, comme ça. Alors là, on va faire autre chose. Qui est à main levée. Parce que moi, dans le fond, je veux faire un cœur sur la manche ici, l'épaule à droite. Et ici, je vais faire un beau soleil à l'épaule à gauche. J'y vais à main levée. Alors, je vais réutiliser mon jaune de tantôt. Je peux rebrasser, ça fait un petit bout que j'y ai pas touché. Alors, on s'assure que, comme j'ai dit tantôt, qu'il n'y a pas trop de plis. Et là, comme j'ai dit, être sûr que la peinture elle passe pas au travers, ce qu'on peut faire, on peut réutiliser une petite fauteuil de carton. Pas bien gros, c'est juste pour dire qu'on le rentre dans la manche. Voilà. Juste pour dire qu'on le met ici. Comme ça. Vous voyez, je l'ai rentré dans la manche. Comme ça. Comme ça, je suis certaine que la peinture ne va pas passer de l'autre côté. Je vais ramasser de l'autre bord. Et voilà. Bon. Alors, j'y vais avec mon soleil. Soleil. Et je vais faire des rayons. C'est comme un lever de soleil. Voilà. Comme ça. Ok. Hey, c'est vraiment, mais vraiment beau, là. Ok. Fait que je mets ça de côté. Je vais essayer de vous le montrer. C'est pas vraiment facile de vous le montrer, mais je veux qu'au moins vous soyez capable de le voir un peu qu'est-ce que ça donne. Comme ça. Voilà. Ok. Alors, mon petit morceau que j'ai coupé pour mettre dans ma manche, je vais le récupérer pour mettre dans l'autre manche. Comme ça. Et voilà. Alors, j'ai dit que j'étais pour faire un cœur. Un beau cœur rouge. On va rebrasser. Et voilà. Ça soit que c'est pas trop fripé, comme j'ai dit tantôt. Voilà. Un beau cœur. Et voilà. Un beau cœur.
D'après moi, il est heureux parce qu'il doit être en amour. C'est ça. C'est ça le cœur. Alors, on a fini avec le rouge, avec le orange et le jaune. On nettoie et on remet les petits capuchons. Et voilà. Qu'est-ce qui est le fun avec ça? Comme j'ai dit tantôt, il y a le petit bec. C'est qu'on peut suivre aussi les coutures du chandail. Puis ça vient vraiment là, rehausser là, vraiment notre travail qu'on a fait. Vous allez voir, ça va être encore plus beau. Alors, j'ai le vert que je vais prendre. Et je crois que je vais remettre le orange. Vous allez voir qu'est-ce que je vais faire. Ça va être ici, dans le collet. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Notre carton qu'on a mis dans le milieu, on peut le monter un petit peu. Là, on n'a plus besoin de celui qui est dans la manche. On n'a plus besoin, on est terminé. Comme ça. Là, je vais le monter comme ça. Et voilà. Tiens. Fait que là, je vais prendre le orange. Et ici, j'ai une ligne de couture qui est dans le collet, ici. Fait que moi, je vais m'amuser. Je vais suivre ça avec la couleur orange. Puis c'est pas obligé d'être en ligne droite. Moi, je vais faire des petits zigzags. Comme ça. Puis, c'est pas obligé d'être complet aussi, là. Ça peut être à moitié. Juste une moitié de collé aussi. Mais moi, je vais le faire au complet. Alors, on y va. Un petit zigzag. Ça crée du mouvement aussi. Et voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est très, très beau. Là, je vais vous le montrer. Regardez. Vous voyez qu'est-ce que ça donne? Ouais. C'est comme ça, on décore des gâteaux. C'est le même principe. Sauf que le chandail, il se mange pas. Hein? Pas pareil. Bon, OK. Alors, comme ça. On y va. J'ai terminé avec l'orange. Je vais nettoyer, mes petits capuchons, et voilà. Alors, je vais prendre un beau vert. Et ça, c'est mon étape finale. Et oui, déjà, ça tire vers la fin. Alors, ici, j'ai un autre couture. Où est-ce que l'épaule? Un autre couture. Ben, l'épaule, le bras, tout ça. Ici, je vais prendre le vert et... Je me meurs, je fais des petits zigzags aussi. Comme ça, il n'y a rien d'égal. Puis, ça vient croiser mon soleil. Et voilà. J'ai terminé, je vais essuyer. On met de côté. Et je vous montre ça. Puis, es-tu beau mon chandail? Hein, j'ai assez hâte de le porter là. Wow! Pour moi, ça c'est terminé. Mais, si vous avez le goût, vous pouvez le faire. On peut faire l'endos aussi. Mais, on ne peut pas le faire tout de suite, bien sûr, parce qu'il faut que ça sèche. Alors, moi je conseille d'un 12 heures à 24 heures. Fait que ce qui veut dire que vous faites ça aujourd'hui, demain vous revenez, puis on fait l'endos. C'est le même principe, les mêmes techniques. Puis en même temps, ça vous permet de penser à ce que vous voulez faire aussi. Ça peut être une suite aussi en même temps de votre projet que vous avez fait en avant. Alors, pour monsieur bonhomme qui est heureux, c'est terminé. On peut laisser le carton, ça ne dérange pas le temps que ça va sécher. Mais tantôt, je vous ai parlé que si, admettons, vous avez un chandail noir, ça peut se faire pareil. Mais c'est sûr que les couleurs vont moins sortir. Mais je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir. Alors, ici on a un chandail noir. Comme ça. C'est le même principe. On prend un carton. OK, on prend un carton. Ça tombe bien, j'en avais deux. Alors, on le met dans le chandail. Tiens, comme je l'ai dit tantôt, vous avez de la misère.
Vous pouvez demander un ami, là, pour vous aider. Il ne faut pas oublier de l'aider aussi, hein, s'il y a besoin d'aide. Ou on peut juste y offrir de l'aide aussi. Bon, comme ça. Alors, c'est pas trop coupé. Comme vous voyez, moi, c'est un chandail, un vieux chandail, qui est à moi, que j'ai récupéré. Il y a un petit peu des taches déjà de peinture. C'est pas grave. Alors, là, dans le fond, c'est pas compliqué. Il me faut du blanc. Le blanc va être un... va faire en sorte que dans le fond la peinture va ressortir. La peinture sort tout le temps, t'sais, la couleur va tout le temps ressortir sur le blanc et non sur le noir. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez l'essayer. Alors, on brasse. Je prends ma peinture. Un pinceau. Mais là, ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire aussi. Moi, je vais m'amuser, je vais en mettre un petit peu partout. Puis je penserai plus tard qu'est-ce que je vais faire. Fait que, on en met comme ça. On se promène quand même. Voilà. Tiens. Fait que là, je prends mon pinceau et on brosse comme ça. Fait que là, si vous voulez faire un dessin, un motif, ça va être quand même. La peinture va être quand même étendue. Fait que votre couleur va ressortir. Mais il n'y a rien qui empêche que après vous pouvez revenir avec le blanc aussi. Qui va créer un contraste. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, je vais mettre ça de côté. OK. Déjà. Moi, je l'ai assez peinturé. Hein? Fait que, après ça, on a le temps de penser à ce qu'on fait. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas faire un chandail noir avec vous. Mais je suis contente, au moins je vous ai montré la technique advenant que vous n'avez pas de chandail blanc. Mais pour l'atelier, ça serait mieux un chandail blanc. Alors, on est terminé avec ça, on nettoie. Et les pinceaux, quand on a terminé, bien important, on met ça dans le plat d'eau. Parce qu'après, on va pouvoir les nettoyer. Ça se nettoie quand même assez bien. Puis après ça, on fait sécher nos pinceaux. Et voilà. Pour un petit conseil pour votre chandail, attendez 72 heures, laissez-le sécher 72 heures, un coup que tout va être fait, l'endo, tout est fait, attendez 72 heures avant de le laver, de préférence la première fois on lave à la main, après ça pas de problème, on peut le mettre à la machine. Moi je mets pas mon linge à sécheuse, je conseille moins de le mettre à la sécheuse, on peut prendre un support puis on le laisse sécher à l'air. Les couleurs restent belles vraiment, mais vraiment longtemps. Alors, j'espère que vous avez eu du fun, puis que vous avez été heureux d'être avec moi. En tout cas, moi, je l'ai été beaucoup. Je vous souhaite un beau projet, beaucoup de créativité, et n'oubliez pas que l'art fait du bien. Merci!